Baba Saleh qui lève une histoire connue. Il y a un bonhomme en chaise roulante. Il a pris sur lui mettre une fine. Baba Saleh, lève-toi maintenant, c'est bon. Ton corps, il sert à quoi? Il sert à servir HM. D'accord. Si tu n'utilises pas ton corps, c'est comme si moi j'ai une société, une entreprise. Maintenant, il y a un bonhomme, il fait des contrats pour moi. Je lui dis, comment t'as fait de contrats à la fin de la semaine? Il me dit, 3 contrats. Je lui dis, quoi? En une semaine, que 3 contrats? Eh, qu'est-ce que tu veux? C'est dur, les transports, les machins. Je suis parti jusqu'à Rishon LeZion. J'ai pris le bus, le train, tu suis pas les embouteillages là-bas, le truc. Le bus, il est pas arrivé. Mais qu'est-ce que t'as fait? Mais demande-moi, je t'aurais donné une voiture de fonction sur mon compte. Elle t'aurait largement remboursé parce que tu n'aurais pas fait 3 contrats par semaine, tu aurais fait 3 contrats par jour. Avec ta voiture, tu mets ton Waze, l'adresse, tu te gares, tu fais ton contrat. Tu peux faire beaucoup plus de contrats qu'en bus ou en train. Donc ici, t'inquiète pas, loue une voiture, c'est moi qui paye. L'essence, c'est sur mon compte, tu m'amènes la Rèche Bonite. Pourquoi? Parce que je suis intéressé à ça. Maintenant, pareil, HM, notre Neshama, il a mis dans une voiture de fonction qui est le corps. Okay, ce corps-là, si j'arrive à faire des contrats avec, bah HM, il te paye. T'as besoin de quoi? T'as besoin de choses pour faire des contrats? T'as besoin des essences? La parnassa, je te donne. T'as besoin de quoi? T'as besoin d'une maison? Je te donne. Tout ce que t'as besoin, à partir du moment où c'est pour faire des contrats HM, qui sont ce qui est écrit dans la Torah, les mitzvot, et ne pas faire les averot, HM, rappelez-vous de l'exemple, comme un patron qui te dit, attends, mais je suis intéressé à ça. C'est moi qui suis gagnant, parce que c'est moi qui t'ai imposé ça dans la Torah. Très bien. Donc maintenant, le bonhomme, il fait pas la Torah, les mitzvot. HM, dit, quoi? Bah, je te reprends la voiture de fonction. Il a eu un accident, il est devenu handicapé, chaise roulante, il ne peut plus marcher. Les médecins, Vadaï, qui lui ont laissé aucune chance de remarcher. Et il est venu voir Baba Saleh, ils lui ont dit, écoute, il y a un tzadik là-bas, tu vas le voir, il va t'aider. Bon, il ne croyait pas, c'est un chiloni, il ne fait rien. On dit que s'il arrive à ce niveau-là, c'est qu'il ne faisait pas Torah Mitzvot. Il va voir Baba Saleh, là-bas, Baba Saleh lui dit, écoute, tu sais qu'Hachem m'a donné ce corps-là pour faire des Mitzvot. Tu ne fais pas des Mitzvot, ça ne sert à rien. Tu prends sur toi de faire des Mitzvot, je m'engage moi. Auprès d'Hachem, qui te rendent la fonction de tes jambes. Ouais, mais c'est trop dur, machin, etc. Shabbat, tu peux faire Shabbat, tu filines. Ouais, il dit, allez, sois un homme, qu'est-ce que t'as à perdre? Il a pas un truc et tout, machin, il a poussé un petit peu. Elle a dit, c'est bon, j'y vais, je prends sur moi Shabbat, filines. Je connais pas exactement ce qu'il a pris, je me dis ça, mais je sais pas exactement ce qu'il a pris. Et il lui dit, allez, c'est bon, lève-toi. Ben, comment ça, lève-toi? Lève-toi, aie confiance. Il commence il essaye. Il a commencé à forcer sur ses muscles, il voit que ça marche. Il s'est mis debout, il commence à marcher, il commence à courir. J'ai quelqu'un qui était là-bas sur place, un rave Ventata, de Lyon d'ailleurs, je sais Ventata. Il m'a dit, moi j'étais là-bas, j'ai vu le mec courir, crier de toutes ses forces, c'était un mec qui était content. Bon, toutes les histoires, ils ont vu aussi avec les l'arak, ils mettaient le foulard là-bas, hein, et ils servaient l'arak à tout le monde. Combien de personnes? 200 personnes. Quoi, c'est possible qu'une bouteille, elle serve 200 personnes? Impossible. Donc, ici c'est un miracle. Maintenant, ça c'est la dernière génération.